Bonjour à tous, ici Walvor. Aujourd'hui, nous commentons la dernière famille en la compagnie de Monsieur Écureuil. Comment vas-tu? Ça va, dernière fois avec toi pour la présentation des familles. Enfin! Ça y est, la dernière, on y arrive. Allez, on commence directement les hostilités avec Left. Donc c'est Sénestre en français? Non, Dextre, je sais plus. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont traduit ça comme ça, mais c'est pas plus mal. Hein. C'est, bah c'est... oui, oui. Donc, un des deux. Left et gauche, donc... ouais, bref, peu importe. Bref, donc left. Deux militaires pour deux. Il a pas d'attachement sauf des armes. Et tant que vous contrôlez son pote Wright, Left gagne plus un de force, une icône pouvoir et s'incline pas pour défendre. Waouh. Bah clairement, quand il y a son pote, ça envoie du pâté. Mais même quand il est pas là, ça fait un pimpin moyen tout à fait correct. Voilà. C'est ça. Si vous avez un peu de réussite, les deux ensemble, c'est quand même assez monstrueux. Ouais. Après, le souci majeur, c'est que si vous jouez les deux en x3 pour les avoir rapidement, sur attaque au feu grégeois... Voilà, c'est ça. C'est bon. Qu'ils sont uniques. Donc en fait, souvent, vous allez... Si vous voulez toper pour faire la combinaison, il faut les jouer en beaucoup de fois, mais le problème, c'est que vous êtes puni par un feu grégeois. Et les jouer qu'en x1, du coup, c'est sur des coups de chance que vous allez avoir les deux. Ouais. Un papa intéressant, malgré tout. Mmh. À voir, peut-être qu'avec la garde de nuit, c'est intéressant aussi d'avoir les deux en x3... Les deux qui défendent comme ça, là, gratuitement, c'est quand même assez badass. Ouais, mais bon, en dehors de ça, bon, bof. Maître Lemis. Donc pour 3 de force en intrigue, il est unique, non loyal, c'est un maître. Et en réaction, après que vous ayez gagné un défi d'intrigue en défense, vous pouvez défausser au hasard une carte de la main de l'adversaire attaquant. Il n'y a pas besoin qu'il ait participé, hein. Oui. Ça, c'est intéressant de le noter, effectivement. Ouais, ça, c'est plutôt intéressant. Heureusement, sinon la carte serait vraiment nulle. Là, elle est... c'est une bonne carte, je trouve. Parce que, mine de rien, votre adversaire va quand même... Vu que la Tyrell est quand même une maison, on va le voir par la suite, qui a beaucoup de boosts, notamment un event qui booste, ça peut créer des surprises. Du coup, l'adversaire peut toujours se dire, attendez, si je me loupe, là, je peux me défausser au hasard d'une carte de ma main. Pourquoi pas? C'est ça, c'est une carte qu'on jouera sûrement en 1. Après, voilà. Plus, je pense pas. Parce qu'il est unique et que sur attaque au feu grégeois, c'est une carte qui dégagera de toute façon. Après, il a le bon goût d'être maître. Voilà. Mais oui, c'est ça. On va voir s'il y a d'autres choses à faire avec les maîtres. Mais sinon, pas plus de fois 1, clairement. Après, pour l'avenir, pourquoi pas? Mais mono-icône pour 3. C'est une bonne carte sans plus. Ça peut quand même dissuader grandement. C'est ça, c'est plus dissuasif qu'autre chose. Voilà. Après, si votre adversaire est sûr de le gagner, c'est une carte qui sert à rien, mais bon. Oui. La suivante, par contre, c'est un peu une porn star, donc Margaery Tyrell, 3 de force, beacon en intrigue pouvoir, c'est une lady. Et en phase de défi, vous pouvez l'incliner pour choisir un personnage et lui donner plus 3 de force jusqu'à la fin de la phase. Pas jusqu'à la fin du défi, hein. Bah, c'est monstrueux comme carte. Un boost de plus 3. Pourquoi ne pas condition. La jouer? C'est vraiment monstrueux, ouais. Vous attendez de voir ce que fait votre adversaire, vous adaptez. Votre adversaire peut surréagir en défense ou en attaque juste parce qu'elle est là. Avec la main du roi, bah c'est monstrueux, vous pouvez aller plus 3 et plus 3 à nouveau. Elle est pas loyale. Elle est pas loyale. Les défauts, j'en vois pas, hein, personnellement. En plus, après, elle a des bons stats, puisque, enfin, elle coûte que 3, elle a 3 de force beacon. Une illustration magnifique. Une carte qu'on verra clairement en Tyrell pour à peu près toute la vie, hein, je pense. Bon. Paxter Redwin. Redwin. Ouais. Ride. Faut que j'arrête. Hein. Pour 4 d'or. Pour 4 d'or, 3 de force en intrigue, c'est un lord. Il réduit le coût du premier event que vous jouez chaque tour de 1 et il vous donne un bonus d'or de plus 1 et c'est une carte loyale. C'est dommage qu'elle coûte 4. Après, ça, en fait, c'est quand même une bonne carte. Ouais. Après, encore une fois, c'est une carte unique. Voilà. Sur attaque au feu grégeois, c'est pas une carte qu'on gardera. En fois 1, quoi. Comme Lomis. Voilà, c'est ça. C'est une bonne... Mais en ce qu'en fois 1, ça se justifie. Il y aura sûrement mieux dans l'avenir. Bah, en fait, pour l'instant, bon. Je pense que dans l'état du jeu, en ce moment, avec juste le corset, elle peut se justifier en fois 1 parce qu'elle donne quand même un bonus d'or. D'argent, qui est sympathique, ouais. Mais après, plus tard, je pense... En plus, elle est monocone. 3 de force pour 4 avec 4, une icône, ouais. C'est très très faible, hein, quand même. Bof, bof, bof. Hein.
La suivante, Rendil Tarly. Bon, ça c'est pas la même limonade. Donc pour 6, 5 de force en militaire et pouvoir, Oustarly est en plus un lord, renom, et en réaction, quand sa force est augmentée, vous le redressez et vous pouvez pas le faire plus de 2 fois par tour. Ce qui est déjà pas mal. On va pas se mentir. Mais c'est énorme, hein, tout simplement, quand on voit le nombre de bonus qu'il y a. Je pense que ça c'est pareil, c'est une carte qu'on verra pour un bon bout de temps en Tyrell. Ouais. C'est méga costaud. Avant qu'ils sortent une version de Rendil mieux. Parce que Renon, qui peut faire plusieurs fois dans le tour, 5 de force pour 6, c'est quand même un bon coup avec deux icônes. Lord, donc il peut être réduit sur Noble Cause. Il est pas loyal. Trait, ouais. Pas de mauvais trait, ouais. Avec Marjorie, Growing Strong et son épée aussi. Ouais, c'est très très fort. Ça rentre bien dans la mécanique rush du Tyrell. C'est ça. Donc la suivante, bon, bah on va aller assez rapidement dans la mesure où c'est la même chose que le précédent. Sauf c'est... que là, il gagne un icône intrigue, ce qui est quand même, je trouve, un peu mieux. Ouais, mais il faut avoir les deux, donc ça revient de toute façon. C'est la même chose que tout à l'heure. C'est du bon pimpin, maintenant jouer 3 et 3, par notre deck spécifique, ne le faites pas, jouer 0, 1 et 1. Bon, en attendant, faute de mieux. Voilà. Ensuite. Le Chevalier des Fleurs pour 5, 5 de force beacon, Chevalier Lord, renom, et quand il attaque seul, le joueur défenseur ne peut déclarer qu'un seul personnage en défense. Ça a un très très bon ratio force-coût mot-clé, hein, je veux dire, pour 5, 5 de force beacon, renom. Et des traits qui sont super et intéressants. Des traits Chevalier super Lord, intéressants, les deux combinés sont vraiment énormes. Puis il a un effet intéressant quand même, le fait de faire des ajouts là comme ça. Surtout que c'est très intéressant en Tyrell avec tous les boosts qu'il y a, encore c'est une fois. Ça. T'as Marjorie à la table. Bah, je vais peut-être pas défendre. Et puis c'est très très fort en militaire surtout, je trouve, parce que si vous attaquez avec lui, votre adversaire doit faire le supposition ou pas par rapport à l'événement Put to the Sword. Parce que vous pouvez booster le mec et tout à coup le gagner avec 5 de force ou plus et tuer ce que vous voulez. Donc ça peut forcer votre adversaire à défendre un petit peu trop. Donc c'est intéressant de garder 2 d'or juste pour le bluff. C'est une carte vraiment très très forte, je pense. En plus elle est pas loyale. Donc Marjorie, ça, Rendil, tout ça. Ça fait une bonne bannière pour l'instant, Tyrell. Ça fait une aussi. Bonne bannière, ouais. Exactement. Un peu comme le martel, quoi. C'est des maisons. Où les cartes loyales sont pas hyper top, ouais. En parlant de cartes loyales pas top, nous voici avec la mamie des épines. Donc 5 de force pour 7 en intrigue pouvoir, donc c'est une lady loyale, elle a pas du tout de mots-clés, bon, et quand vous gagnez un défi d'intrigue dans lequel elle participe, vous choisissez un personnage Tyrell qui coûte 6 ou moins et vous le mettez en jeu de votre main. Bof bof. Hein. C'est pas top. Déjà, y a des familles où ça va être difficile de gagner l'intrigue déjà, de base, et dans quel cas vous avez un personnage qui coûte beaucoup trop cher pour ce qu'il fait. Et même contre les familles faibles en intrigue, est-ce que vous n'auriez pas mieux fait de jouer l'autre personnage directement, en étant sûr qu'elle se fasse pas incliner, qu'elle se fasse blanchir ou autre? Si j'ai le choix entre poser Rendil et la mamie des épines, globalement, je pose Rendil. Donc du coup, son intérêt est nul. Bon. Il lui manque un genre un perspicacité, ça m'aurait pas choqué dessus, quoi. Ouais, perspicacité ou renom, tout simplement. Ouais. Peut-être. Tu verras peut-être c'est trop de renom, mais... Parce que là, ça coûte quand même 7, ce machin, pour juste 5 de force et rien d'autre, quoi. Et sur attaque au feu grégeois, vous gardez quoi? Oui, voilà, en plus. Si vous avez... mettons une situation banale. Marjorie, Rendy, Chevalier des Fleurs, Mamie des Épines. Bah, on est d'accord que la mamie, elle dégage. Et même si vous avez un Lomis, je suis pas sûr de garder la Mamie des Épines, par exemple, hein. C'est là qu'il y a un petit problème. Moi, je garde le miss. Hein. Il a un effet beaucoup plus impactant. Sur... Voilà, c'est ça. Donc bon, relativement peu intéressant. Peut-être que dans l'avenir, quand il y aura plus de personnages, ce sera intéressant. Mais même, ça voudrait dire que vous aurez des stops dégueulasses parce que vous aurez des personnages à 7 et 6 à gogo. Et puis monter un deck qui compte sur ce perso, c'est ça. Ou t'en mettre de l'écho et des persos, quoi. C'est ça, exactement. Moi, je la trouve nulle à chier, en fait, en vrai. Mais bon. Le suivant. La courtisane de la rose, on va dire ça comme on ça. On va dire ça. pour 2 de force en intrigue et en pouvoir, c'est le pins de la boîte de base qui, je pense, quand, dès qu'on trouvera mieux, sortira, mais qui pour l'instant est joué parce qu'on a que ça et que c'est pas mauvais en soi finalement. C'est ça. C'est tout à fait correct. Relativement peu d'avenir malgré tout. Voilà. Ouais. Exactement.
Donc le suivant, bon, le Bon, le... jardinier classico-classique qui réduit, pas de grand-chose à Toujours dire. pour 1 de force, Voilà. La pouvoir, carte enfin... suivante est plus intéressante déjà. Pour 3 d'or, un personnage non loyal qui a 2 de force en intrigue pouvoir, qui a en bouche 4. Et quand elle arrive en jeu durant la phase de défi, vous nommez un défi et vous pouvez refaire ce défi une nouvelle fois. Bah ça par contre c'est plutôt intéressant, clairement. En mêlée c'est monstrueux parce que vous pouvez refaire des défis Oh là. pouvoir. Quant à l'ajoute, c'est loin d'être mauvais non plus. Après, juste en tirer le côté 4 en bouche me paraît pas ultra jouable, c'est cher quand même. Mais en Lani, par exemple. Bon, après, on peut quand même mentionner que ça marche bien avec la mine des épines, mais bon, c'est un peu trop situationnel pour que ce soit efficace. Mais comme tu le dis, ouais, avec les Lannister, ça peut être intéressant, avec Tyrion notamment qui va réduire. Et vu qu'elle n'est pas loyale, on pourrait faire C'est une ça. alliance, enfin, une alliance Lannister avec les Tyrell. Pour jouer ce genre de cartes en plus de Rendil, Margaery, etc. Parce que faire deux défis intrigue avec Cersei, Bon, ça peut être marrant. avec ton lieu qui pioche, non, c'est... Ouais, ou deux défis militaires avec Jamie. Oui, Enfin, il y a enfin, pas mal ça offre d'utilités. plein de Ouais. possibilités. C'est très très intéressant comme carte. Même en Greyjoy, pourquoi pas? On peut imaginer faire du pouvoir Oui. avec Asha, on recommence. Ça peut être très fort. Pourquoi pas, oui, il y a plein de possibilités. C'est juste dommage que par contre, si vous la jouez pas en embouche, enfin, ça réduit pas drastiquement son coût, elle coûte toujours 3, quoi, quand même. Ouais, son coût est cher pour ce qu'il fait, mais en même temps, sa seule utilité, c'est l'embouche, donc finalement, c'est pas Oui. choquant. L'armée des Tyrell, donc les Warden of the Reach, pour 4 d'or, 3 de force, pouvoir militaire, donc pas d'attachement, et elle gagne plus un force pour chaque lieu The Reach que vous contrôlez. En français, c'est quoi? Je sais pas. J'en ai aucune idée. On est des grands connaisseurs de... C'est ça. C'est pas une mauvaise carte. Attention à la liaison en français. Non, ça peut rapidement être pour 4 une 4 de force. Bon, c'est pas transcendant, mais... Bon, ça peut vite monter un petit peu plus, mais c'est pareil, il y aura vite mieux dans l'avenir, je Voilà. pense. À voir s'il y a beaucoup d'autres lieux pas chers qui vont sortir, qui auront ce trait-là. En attendant, c'est pas une mauvaise carte pour un corset, mais bon, c'est pas sans sas non plus, hein, clairement. Ouais, je pense que ça sortira vite. Alors, la suivante, par contre, là, c'est plutôt solide, c'est une épée pour un qui est unique, qui va que sur les Tyrell. Et en action, vous pouvez l'incliner pour donner plus 3 de force dans un défi sur le personnage sur lequel elle est équipée. Donc évidemment, pense tout de suite à Rendil, bien sûr, mais ça marche aussi excellemment bien sur le Chevalier des Fleurs, parce que 8 de force en militaire pour bleu. Pour feinter un Ouais, coup de sort, c'est ça. fort. Et en pouvoir, 8 de force, c'est fort aussi. Donc, Bah, ça marche globalement, très bien avec sa c'est. joute, hein. Ouais. C'est. C'est une carte qu'on verra à peu près en tirer jusqu'à la fin des temps, je pense aussi. Hein, clairement. Pourquoi ne pas en jouer une ou deux, hein. Oui, clairement, pour un, donner un boost de plus 3 tous les tours. Ouais. C'est Je veux costaud. dire. C'est très très costaud. Ah! Au jardin, donc c'est un lieu unique, loyal, pour 3 d'or. Et son effet, c'est donc en action de défi, vous pouvez l'incliner et payer un d'or pour choisir un personnage attaquant, vous le redresser et le retirer du défi. C'est très polyvalent et très intéressant. On peut penser que ça coûte un peu cher, mais son effet est quand même super fort. Enfin, moi j'aime vraiment bien cette carte. Hein. Ouais, et puis il y a pas mal Ça peut d'utilité. marcher pour toi ou pour l'adversaire. Ouais. Genre, tu vas t'empaler avec ton perso, t'as ça en backup, si jamais l'autre il défend beaucoup, bah tant pis, il a défendu beaucoup, tu le retires et tu le redresses en plus. Ou au Ouais. pire, l'adversaire t'attaque avec Asha, ou Ballon par exemple. Non, oublie, on va recommencer. Ouais. Non, puis c'est très C'est... fort, surtout. Mais l'intérêt aussi, c'est surtout quand toi t'attaques avec un Rendil, je sais pas, qui a 8 de force, l'adversaire il veut gagner, il met 12. C'est ça, Oh toi tu le non, retires non, juste, tu le ah non, attends, retires. finalement je suis Ouais, plus là, je suis plus là, et puis on refait l'autre hein. défi. Ah merde. C'est vraiment monstrueux en termes de possibilités de jeu. Ouais. Entre tous les boosts de force et cette carte, le Tyrell il peut vraiment y aller les doigts de pied en avant-taille dans le défi et dire tu fais quoi? Moi j'attends, hein, je te regarde. Ah tu mets tout ça, bon bah je me casse. C'est ça. Bah, c'est une carte, une des rares cartes loyales qui justifie de jouer Tyrell à l'heure actuelle, en tout cas. Mais pour le moment, s'il n'y a que ça, c'est un peu le même problème que le Martel. Si vous avez qu'un lieu qui est fort, Ouais. ouais, ça justifie pas jouer une maison. Ça C'est fait ça le toujours une bonne problème. manière, quoi. Ouais, parce que Voilà. toutes les autres cartes loyales pour l'instant elles ont pas été Transcendante, hein. entre Non. Paxter, ouais, Ouais. Rydwine et Et la mine la des Mamie des épines, épines. ouais. Bon. On s'est pas dit oui! La carte suivante, donc Et on se dit toujours The Minder. pas oui. Pour 3 en loyal,
En réaction, quand vous gagnez un défi avec une différence de 5 ou plus, ce qui est énorme, vous l'inclinez pour piocher 2. Alors c'est fort en soi, hein, mais vous êtes clairement pas certain de le faire régulièrement. C'est très dépendant des boosts de force surprise. Si ça se passe bien pour vous, tant mieux, hein, mais ça implique que vous avez eu globalement Marguerite, Earthbane, Growing Strong, pas forcément en même temps, mais... Ouais, je suis pas Pourquoi fan-fan, pas? quoi. C'est assez situationnel comme pioche, hein. Avec le chevalier des fleurs, c'est... Mmh. Mais c'est un peu tout, hein. Bah, c'est plus avec Rendil, peut-être, parce que chez des fleurs, l'adversaire a juste à défendre, et voilà, quoi, Ouais. mais... C'est pas mauvais, quand même. C'est pas mauvais, hein, c'est piocher 2 dans n'importe quel défi, en fait, au final, parce que ça marche aussi en défense, hein. Oui, Ça marche oui. en... Tu peux y arriver quand même une fois par tour, peut-être, hein, mais... Non, mais bon, c'est pas le lieu qui justifie de jouer Tyrell, par exemple. Non, Non, pas du mais tout. à l'avenir, s'il y a encore plus de boost de force, encore plus de trucs comme au jardin et tout, pourquoi Ouais, pas. non, c'est pas mauvais, mais bon. Bon, le lieu suivant, classique au classique, c'est fort, on peut en parler. Ça, Growing Strong. C'est quoi en français la traduction? C'est plus fort, plus... Je sais plus quoi, c'est... Enfin... pour Oz, bon bref, c'est un event qui coûte 1, qui en action de défi, vous choisissez jusqu'à 3 personnages Tyrell. Jusqu'à la fin de la phase, ils gagnent plus de force. Pour 1. C'est du tout Tu bon, fais hein. plus 2, C'est plus du 2, tout plus bon. 2, j'ai gagné ce défi, tiens, pour 1. Ça peut permettre de passer des Put to the Sword, d'activer Ça manque son d'air. lieu de pioche, ça booste Rendil. C'est clairement fort, hein. Non, non, C'est pour une tout ça bonne pour carte 1. aussi. Ouais. Dans Puis il n'y a l'avenir, pas de ça risque d'être condition joué. aussi. Non, c'est bien. C'est pas non plus sensationnel, mais c'est clairement fort. Ouais. Alors, la suivante, Olenna's Cunning, un événement loyal pour 2, qui coûte 1 potentiellement. En réaction, quand vous avez gagné un défi de pouvoir ou d'intrigue, l'adversaire doit choisir un type de carte, donc personnage, lieu, attachement ou événement. Vous cherchez dans votre deck une carte avec un type différent de ce qu'a nommé votre adversaire et vous le mettez dans votre main. C'est pas mauvais, mais c'est cher. C'est cher, c'est cher. Si ça coûtait 1, là, ce serait excellentissime. Mais pour Ouais. 2, c'est juste un poil trop cher. Parce qu'après, l'effet est quand même super fort. C'est... Bon, et puis globalement, si vous n'avez pas gagné d'intrigue ou de pouvoir pendant un tour, c'est un peu dommage. Ouais, vous êtes un peu dans la merde, Vous êtes un peu dans la merde. hein. Donc c'est pas spécialement dû réactiver. Ouais. Moi je le vois surtout jouable avec les Lannister, encore une fois, parce que Tyrion permet de le jouer. Hein. Puis après, vous pouvez. L'intérêt c'est aussi que vous pouvez aller chercher d'autres types de cartes. Si votre adversaire dit événement pour pas Growing Strong, vous pouvez aller chercher Pleurs de Veuve pour quand même redresser Rendil. Vous pouvez quand même activer le mec qui a en bouche, Olenna's Informant. Il y a pas mal de choses à faire avec. Vous pouvez aller chercher au jardin si jamais vous en avez besoin. C'est une carte assez polyvalente, un petit peu chère, qui fait qu'elle sera pas jouable partout, même en Tyrell, même en loyal. Pour un, des fois, c'est cool, mais déjà, Faut voir vous si... l'avez peut-être déjà utilisé, tout simplement. Faut voir si l'économie du jeu évolue. Mais en tout cas, c'est une carte qui a clairement un gros avenir potentiel. Hein. C'est une excellente carte. Bah, du tutor comme ça. Ouais. Pour le moment, en dehors des Lannister, je la trouve trop chère pour la jouer. On verra bien. Et la dernière carte. Je te laisse l'honneur de cette Oh, dernière carte de quelle Super 7. gentillesse! The Bear and the Maiden Fair. Donc, une magnifique chanson, bien sûr. En action, vous choisissez un joueur, vous regardez ses 5 premières cartes du dessus de son deck, vous les remettez dans l'ordre de votre choix, et vous pouvez surtout en mettre jusqu'à 3 en dessous. Donc, c'est très très fort. Ça peut être très utile si vous jouez avec les gardes de nuit, par exemple, pour vite trouver votre mur, ou vite trouver un personnage central comme Daenerys, mettons. Si vous êtes bien dans la partie, que votre adversaire est dans la panade, vous regardez le deck de votre adversaire. Tiens, prends ça, Tiens, c'est bien. tiens, un doublon d'un mec qui est mort, quel dommage. C'est. Ouais, ou un Mais même doublon avec de. le personnage Lani, là, comment il s'appelle? Le titilleur. Ouais, le titilleur. Bon, ça c'est hyper situationnel, mais est-ce que vous n'avez pas joué 3 Ah titilleurs, mais ça peut effectivement être intéressant. non, Bonne c'est très, carte. très polyvalent comme carte. Ça marche pour vous, ça marche pour l'adversaire. Si vous cherchez une carte dans votre deck, vous pouvez regarder 5 cartes, c'est quand même pas mal. 5 cartes, tout ça pour 0. Si vous voulez embêter l'adversaire. Non, c'est bon, hein. C'est du tout bon. Donc là, on a fini pour les Tyrell et donc la présentation des cartes maison. Donc brièvement, bah, les Tyrell, c'est un peu le même souci que les Martell globalement.
Ils ont pas mal de bonnes cartes, mais leurs bonnes cartes ne sont pas loyales à l'exception d'un lieu fort. Ce qui fait que la maison Tyrell, à l'heure actuelle, n'a pas vraiment de sens ou d'intérêt, globalement. Faudra attendre d'autres cartes loyales qui sont fortes pour justifier de la jouer, à mon sens. Ça reste pas mauvais, mais c'est moins fort que les autres maisons, et il y a tellement de cartes non loyales qui sont intéressantes que... Bah, Par autant contre, piocher des cartes fortes loyales ailleurs et prendre en garder les bannière le Tyrell. reste, quoi. Prendre en bannière Parce le reste, que ouais. entre Marjorie, le Chevalier des Fleurs, Randy, Earthbane, Earthbound, ça fait quand même déjà pas mal, hein. ouais. Plus tes quelques pimpins à côté, en intrigue notamment. Du tout bon. Donc bon, une faction d'avenir. Une faction somme toute fort sympathique, sur laquelle nous concluons donc cette série de vidéos de présentation du corset. Ouais. Nous enchaînerons avec les vidéos de deux decks de présentation pour débutants, histoire de montrer les bases un peu du deck build Et de puis cette après, V2. on va attaquer les hostilités, on attaquera directement des decks un peu plus compétitifs, on va Voilà. dire. On les présentera et on fera aussi, puisque fin novembre, je crois que tu vas assister à l'Open de Lyon où De tu auras Lyon, pas ouais. mal de vidéos, donc on fera C'est aussi ça. des commentaires de parties, tout De simplement. partie. Et puis aussi, entre-temps, je pense qu'il y aura la présentation du chapitre qui va sortir. Enfin bref, beaucoup de contenu encore à prévoir. Beaucoup, beaucoup de contenu. Vous Bravo, mon ami inquiétez pas. Walvor, bravo! T'as Quelle vu. efficacité redoutable! Donc, on Efficacité souhaite. sur laquelle nous conclurons donc bonne soirée. Pour une fois qu'on conclut. Hey, hey! C'était cadeau, ça. Non, franchement, je cherche quelqu'un d'autre, hein, vraiment, de toute urgence. À Allez, ciao. bientôt! Shabada bada bada.